Good morning, all. We're under a great deal of time pressure because I'm sure that all of you want to be able to enjoy the discussions over lunch and luncheon as well. So if we can get this one on the road as quickly as possible, that'll be a great advantage. I think one of the most interesting things about the whole of this World Policy Conference, and congratulations again to Thierry and the whole of the team in terms of having reached this remarkable milestone of this being the 10th conference, has been that right from the beginning, from the message from His Majesty Mohammed VI, right at the beginning of this program, until the session on the European Union just a few minutes ago, we've heard the message over and over again about the centrality of Africa in the global discourse, on the importance of incorporating Africa not only into Morocco's perspective of its center of gravity in the global landscape, but in the context of Europe's relationships and in the context of the entire system of global governance. What we're going to try and do this morning is get an African perspective on how to realize that particular vision of Africa playing its proper role, both in the context of global development and global advancement, and in the context of global governance. And we have an absolutely extraordinary team, in a certain sense, for this purpose. We have two former prime ministers. We have a former minister of finance and the economy, and we have a former minister of foreign affairs who has been engaged in a significant amount of conflict mediation and conflict resolution across the continent. So every dimension of the developmental narrative is actually present on this panel. Everyone here has had to deal with the challenges of development. Some have had to deal with the challenges of resolving conflicts to enable development to take place in its aftermath. And we have a variety of perspectives, two from Senegal, one from Benin, and one from our host country of Morocco. So without any more, I'm going to pass it over to our panelists to be able to give you an appropriate perspective in respect of this challenge. And may I turn firstly to Nizar Baraka, who is currently the chairman of the Economic, Social, and Environmental Council of Morocco and a former minister of finance and the economy. Nizar. Merci. Alors, je voulais tout d'abord dire que au moment où j'ai été appelé en fait à intervenir sur cette dans cette session portant sur le développement de l'Afrique, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais dire en 8 minutes pour pouvoir en fait donner, je dirais, une vision en la matière. Et comme l'a rappelé le modérateur, aujourd'hui, il est clair que le souverain a placé l'Afrique au centre de son projet politique. Il est clair aussi qu'il y a une croyance que nous partageons tous et que le souverain a soulevé et relevé au moment de l'ouverture de ces rencontres, c'est que le continent africain a un potentiel énorme et ne peut que véritablement donc réaliser ce potentiel. Et comme il l'a dit, le continent se dirige résolument vers la prospérité, il se transforme rapidement selon son propre modèle et des partenariats aujourd'hui diversifiés. Ainsi se dessine une Afrique des alternatives et non pas des contraintes. Et c'est sur cette phrase sur laquelle je voudrais, à partir d'expériences du Conseil économique, social et environnemental, à partir des travaux que nous avons réalisés, apporter une ébauche de ce que pourrait être en fait ce développement auquel nous appelons tous et nous ouvrons tous pour sa réalisation. Aujourd'hui, il est clair que l'Afrique doit relever plusieurs défis. Le défi de la stabilité et de la sécurité, qui est un défi majeur. Le défi de considérer l'Afrique comme un tout et non pas celui de la fragmentation, donc dépasser la logique de la fragmentation. Le défi démographique, il faut savoir que l'Afrique va
doublé sa population entre 2017 et 2050, et ce qui constitue, en fait, c'est une première dans l'histoire du monde, qu'un continent puisse doubler sa population en si peu de temps, avec comment faire en sorte à ce que cette accélération démographique se traduise par une aubaine pour le continent et non pas un fardeau qu'il faudra dépasser, sans parler, bien sûr, des autres défis liés notamment au changement climatique. On a vu que l'Afrique était le continent qui allait le plus subir les effets des changements climatiques, et bien sûr le défi de la prospérité partagée. Alors pour ce faire, sans partie et en tant que conseil, nous avons travaillé à la demande du souverain sur une vision qui consiste à dire qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réaliser, dans le cas du Maroc, et je parle de l'expérience du Maroc, donc une émergence, on doit s'inscrire dans une logique de richesse globale et qui intègre le matériel et l'immatériel et qui permet véritablement d'assurer la durabilité et en même temps l'accélération nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et dans le cadre de notre continent, moi je voudrais rappeler très rapidement un certain nombre de principes de base qui permettraient véritablement d'atteindre ces objectifs. Le premier, c'est s'appuyer sur le capital naturel que nous avons, et l'Afrique regorge en fait de potentialités, mais tout en veillant à ce que cette exploitation de ces ressources naturelles se fasse de manière durable, et en veillant surtout, et c'est le point essentiel, à faire en sorte que ce que les recettes et les revenus issus des ressources naturelles soient investis sur le capital humain, sur la gouvernance, sur le renforcement également des solidarités pour assurer cette pérennisation et cette croissance future. Deuxième axe, c'est le capital produit. C'est comment faire en sorte à ce qu'on fasse un vrai effort de rattrapage sur le plan des infrastructures. Et moi, je mettrai l'accent, évidemment, tout ce qui a trait à favoriser ce maillage et la mobilité d'un côté, mais aussi veiller à ce qu'on puisse avoir une véritable assurer ce rattrapage au niveau de l'électricité. La France a mis l'accent dessus lors de la COP21. Le Maroc a appuyé encore plus dans la COP22 en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, mais en veillant surtout à ce qu'il puisse y avoir une véritable interconnexion entre les différents pays et au sein des pays pour permettre véritablement une plus d'attraction d'investissement et surtout assurer ce développement nécessaire qu'on voudrait avoir. Sans parler d'un autre pilier qui est essentiel au niveau du capital produit, c'est celui évidemment de la sécurité alimentaire. L'Afrique regorge de potentialités énormes, 70% des terres arables se trouvent en Afrique. L'Afrique peut devenir un grenier pour le monde dès lors qu'on s'inscrit, je dirais, dans cette logique. Et puis, il y a évidemment le fait de s'intégrer dans l'économie monde avec une intégration dans les filières et dans les chaînes de valeur mondiales pour profiter des compétitivités partagées qu'on pourrait avoir, mais ensemble, et pour en même temps saisir les opportunités de création d'emplois et de création de valeur et d'assurer aussi cette efficacité économique dont on a besoin. Le troisième axe, en plus du capital naturel et le capital produit dont j'ai parlé rapidement, il y a le capital également des ressources humaines. L'Afrique est un continent jeune, avec une jeunesse et une population active qui va croître beaucoup plus rapidement que la population. Et cette jeunesse a besoin d'être formée, surtout que nous sommes dans un monde qui connaît des mutations très rapides, dans le cadre de l'économie du savoir, dans le cadre de l'économie intelligente, dans le cadre de cette économie collaborative qui a bouleversé finalement nos systèmes de production et les relations de travail. Et donc il y a besoin d'assurer cette formation nécessaire et ses moyens en termes d'éducation et de santé pour que cette population ait cette capacité de s'adapter et de s'intégrer finalement dans les nouveaux, je dirais, modèles de développement à venir. Le quatrième axe, c'est celui, je dirais, de la gouvernance, de l'institutionnel, l'état de droit, mais aussi plus d'efficacité des dépenses publiques. Et en même temps, je dois dire aussi
avoir un environnement des affaires plus attractif et surtout donc lutter contre la corruption et donner de la vision, une visibilité de la vision d'avenir, parce que les opérateurs économiques ne vont pas venir dans un pays s'ils ne savent pas en fait qu'est-ce qui sera fait à l'avenir. Donc une gouvernance économique et une gouvernance globale, démocratique et économique plus efficiente. Et enfin, je parlerai également d'un point essentiel et qui est en fait le capital social. Et quand je parle de capital social, c'est réduire les inégalités, un meilleur partage des richesses et plus de cohésion sociale pour pouvoir réussir cela. Et j'ajouterai, parce qu'on parle d'un continent, et on parle du continent africain, d'un autre capital, qui est le capital intégration. Notre continent est un des continents les moins intégrés. Nous avons certes des regroupements régionaux, mais globalement, les échanges que nous avons au niveau du continent restent autour de 12% intra-continental, au moment où pour l'Asie, on est à plus de 50%, pour l'Amérique, on est à plus de 46%, et pour, évidemment, l'Union européenne, on est entre 60 et 70%. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel énorme dès lors qu'on s'inscrit dans les échanges. Évidemment, l'Afrique du Nord reste le parent pauvre, hein, avec la frontière algérienne, algéro-marocaine qui est toujours fermée et qui fait que les échanges ne dépassent pas les 3%. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs que le Maroc veut rentrer dans la CEDEAO et pouvoir aussi participer à cette logique d'intégration. Mais l'objectif, c'est comment intégrer l'ensemble de notre continent. Et M. Zinzou qui travaille dans ce sens, en fait, je crois que c'est le vrai pari qui nous permettra véritablement d'avoir une croissance endogène qui portera l'Afrique et qui fera véritablement que l'Afrique sera maître de son destin dans un horizon, bien sûr, d'implication et d'intégration avec les différents partenaires. Et Dieu seul sait qu'il y a un potentiel énorme. Rien que l'Union européenne a mis en place un fonds de 44 milliards d'euros donc, d'investissement pour l'Afrique, qui peut arriver jusqu'à 88 milliards. Ce qui se fait également la Chine, qui est le principal en fait, investisseur en Afrique avec 36 milliards d'euros. Donc il y a un potentiel des États-Unis aussi qui s'inscrit et qui se développe l'Afrique. Donc il y a un véritable partenariat possible dès lors qu'on définit nos priorités. Pour conclure, je voudrais dire que le Maroc, dans sa politique, s'inscrit dans cette vision intégrée et agit sur le plan du capital humain et du savoir à travers ce qu'on fait en matière d'éducation, mais aussi en matière de spiritualité, en matière d'accompagnement. On agit sur la sécurité avec les forces de paix marocaines qui sont présentes un peu partout en Afrique. On agit sur l'économique avec les investissements. Le Maroc est le second investisseur africain en Afrique avec 5% d'investissement. Donc des idées en Afrique sont portées par le Maroc dans des différents secteurs et qui portent également le développement économique. Et on le fait également sur le capital, naturel, avec tout ce qui se fait en matière de sécurité alimentaire et en matière d'électrification renouvelable. Voilà rapidement ce que je voulais dire sur le développement en Afrique. Merci beaucoup. I'm going to save time by going directly through all of the speakers. So I'm going to come then to our second speaker, who is, of course, Cheikh Tidiane Gadiou, who is a former foreign minister of Senegal, who is currently the president of the Institute of Pan-African Studies, and who, as I said earlier, has a great amount of experience in conflict mediation and resolution. Cheikh. Merci beaucoup. Je voudrais saluer notre ami Thierry et lui souhaiter au forum un bon 10e anniversaire et lui dire que les gens de bien n'ont pas le droit à la retraite. Donc on lui donne rendez-vous encore pour plusieurs dizaines d'années pour continuer le travail. L'Afrique, pour moi, c'est un continent relativement maltraité du point de vue du manichéisme avec lequel l'Afrique est abordée. Pour certains, tout va mal. Pour d'autres, tout va bien ou tout commence à bien aller. Je pense qu'il faut essayer de situer le curseur peut-être au milieu. Il y a des choses qui vont bien, qui vont beaucoup mieux, mais il y a des choses qui vont encore mal, voire très, très mal. Ce matin, j'écoutais Radio France Internationale, ce n'était pas une partie de ma contribution, et j'entends trois nouvelles successives extrêmement intéressantes. La première, on nous informe que les soldats de Barkhane au Mali, dans le nord Mali, se sont cotisés des jeunes, très généreux, sont cotisés 15 millions de francs CFA, à peu près 30 000 dollars, pour creuser un puits à des villageois.
Et ils disent que ces villageois font 20 à 25 kilomètres pour aller chercher de l'eau et que les enfants ne peuvent pas être éduqués, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut faire au moins 5 à 6 kilomètres pour avoir accès à l'eau, ce qui fait que ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et on nous rappelle que un tiers du Nord Mali n'a pas accès à l'eau potable. J'ai dit voilà une question concrète du développement de l'Afrique. On doit se poser de sérieuses questions après 60 ans d'indépendance. Est-ce qu'on devrait en être là? Où un tiers de la population du Nord Mali, qui fait deux tiers du Mali, le Nord Mali, deux tiers, un tiers de cette population n'a pas accès à l'eau potable. Et ça me semble très concret. Deuxième information, on nous dit qu'à Kinshasa, on collecte 9000 tonnes de déchets par jour et que c'est l'Union européenne qui donne 9 millions de dollars par an pour financer la propreté de Kinshasa. Ça me pose problème dans le pays qui s'appelle la RDC, potentiellement le pays le plus doté, peut-être le plus riche potentiellement du monde, que ce soit l'Union européenne qui s'occupe de l'assainissement, du ramassage des ordures en RDC, à Kinshasa. Et mieux, on ajoute que maintenant, on pense à la privatisation. Donc, après 60 ans d'indépendance, c'est là où on en est par rapport à cette question. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quand on parle de la Côte d'Ivoire, et d'un projet qui s'appelle La Finance s'engage et où effectivement des financiers africains en Côte d'Ivoire aident les PME qui constituent à peu près 80% du secteur privé. Ce qui est intéressant, c'est l'Afrique qui aide l'Afrique, l'Afrique qui vient au secours de l'Afrique à l'interne plutôt que ce qu'on entendait d'habitude comme discours. Tout cela pour me faire dire que je pense que aimer et respecter le continent africain, c'est lui dire la vérité si on est extérieur. Et c'est dire la vérité si on est africain. Il me semble que ça ne va pas sur beaucoup d'aspects. Hier, le patron de l'AFD a dit quelque chose d'intéressant. Il s'est réjoui relativement que l'Afrique soit à 2 500 milliards de dollars de PIB. 2 500 milliards. J'étais assis dans la salle, j'étais un peu surpris. Je comprends qu'il ait observé des progrès constants et qu'il s'en réjouisse. Mais en même temps, j'ai comparé l'Afrique avec la seule Corée du Sud, qui en 1960 faisait dans les 3 milliards de dollars de PIB, qui aujourd'hui est à 1 500 milliards de dollars de PIB à peu près. C'est-à-dire le total de 25 pays d'Afrique, dont certains avaient un PIB supérieur à la Corée du Sud en 1960. Le Nigeria était à 4,2 milliards de PIB en 1960. La Corée du Sud était à 3, quelque chose de milliards. Donc je trouve que ce n'est pas acceptable qu'un pays comme la Corée du Sud parte quasiment sur les mêmes bases, peut-être même avec moins de ressources que les pays d'Afrique, et qu'on finisse 60 ans après, qu'on nous dise que l'Afrique totalement, au total, fait 2 500 milliards et que la seule Corée du Sud fait 1 500 milliards. C'est très bien que le Maroc rejoigne la CEDEAO et apporte d'un seul coup 100 milliards de son PIB, rajouter à ce qu'on a déjà au niveau de la CEDEAO, mais j'espère que l'arrivée du Maroc va secouer aussi le fonctionnement global de la CEDEAO et qu'on voit aussi bien ce que le Maroc apporte d'expérience et autres et ce que la CEDEAO peut offrir et la réflexion interne que doit mener la CEDEAO. Une CEDEAO communauté régionale unie politiquement, parce que ça, c'est là où le bas blesse. On fait tout pour éviter l'unité politique et on se lance dans des histoires d'intégration économique. Depuis 40 ans ou 45 ans, on fait l'intégration économique. Le résultat, c'est 12 à 14% d'échanges inter-CEDEAO, là où l'Asie frôle maintenant quasiment les 60%. L'Europe, on n'en parle pas, on est au-delà de 76%. Ça ne va pas, il faut changer le paradigme. Et pour changer le paradigme, je questionne ceux qui pensent qu'il faut absolument continuer ce que j'appelle les chevauchées solitaires des États africains. Et quelqu'un qui a assisté au sommet de l'OUA en 1963 et qu'on ne peut pas soupçonner d'être un extrémiste, c'est un homme cultivé, un homme très modéré, qui s'appelle Bachir Ben Yahmed de Jeune Afrique. Il a dit il y a 2 semaines à peu près quelque chose d'absolument extraordinaire et qui confirme que ceux qui défendent l'unité et l'intégration de l'Afrique ont absolument raison. Bachir dit, et je le cite, c'est un de ses éditos, « Si vous êtes africain ou si ne l'étant pas, vous vous intéressez à la place de l'Afrique dans le monde, vous pouvez penser que ce continent ne devrait pas être... » Excusez, ça c'était écrit en gros, maintenant comme c'est écrit en plus petit, il faut,
Je faisais semblant de, voilà, d'avoir de bons yeux. Ok, donc vous pouvez penser que ce continent ne devrait pas être tronçonné en 54 États qui se croient indépendants mais dont beaucoup ne sont pas viables. L'Afrique aurait pu devenir, à l'instar de l'Inde, un État fédéral. L'une et l'autre sont comparables par la population, le PIB, le nombre de langues et de groupes ethniques. Ce pays qui se serait appelé les États-Unis d'Afrique aurait regroupé en une fédération d'États autonomes la cinquantaine d'États indépendants, entre guillemets, d'aujourd'hui. Il aurait alors constitué le troisième État du monde par la population, après la Chine et l'Inde, qu'il dépasserait dans les deux prochaines décennies. Son économie en aurait été la quatrième, après celle de la Chine, des États-Unis et de l'Inde. Cet État rêvé aurait produit 75% du platine, 55% du diamant et 20% de l'or extrait dans le monde. Aucun autre pays n'aurait égalé les États-Unis d'Afrique par les richesses de son sous-sol. Et il conclut, mais cessons de rêver, regardons si, etc. Alors moi, je ne veux pas cesser de rêver. Je continue de penser qu'il faut continuer. Ce n'est pas un rêve, c'est un objectif parce que c'est des questions de survie qui se posent à l'Afrique avec le défi sécuritaire. Le terrorisme est en train de se déplacer vers l'Afrique pour faire de notre continent l'épicentre du terrorisme mondial. Avec les Al-Shabaab, avec Boko Haram, avec Al-Qaïda. Et Boko Haram, en 2014-2015, a fait plus de victimes sur les populations civiles que Daesh. Mais comme Daesh intéresse l'Ouest et certains pays pour différentes raisons, très proches du pétrole et autres, Boko Haram n'a pas beaucoup intéressé, mais Boko Haram fait beaucoup plus de massacres. Et l'Afrique est menacée. Toute la zone du Sahel est une poudrière permanente. Par-delà ces questions, nos États n'ont pas les moyens d'une réponse adéquate. Vous avez vu tout le débat du G5 Sahel sur comment mettre en place des forces spéciales africaines pour défendre le continent. Nous sommes en train de chercher les moyens un peu partout et les partenaires certains nous traitent très mal sur cette question. C'est pour ça que nous avons proposé, et je suis en train de conclure, c'est ça que nous avons proposé, qu'il faut aller au G5+5. Parce que dans un premier temps, nous avions trouvé anormal qu'un pays comme le Sénégal, qui peut apporter énormément au G5, n'ait pas été invité. Mais on dépasse ce débat et on fait aujourd'hui le G5 actuel, plus le Sénégal, plus le Maroc qui a une expérience extraordinaire en matière de renseignement, d'intelligence et autres, plus l'Algérie qui est le seul pays au monde pour l'instant à avoir vaincu le terrorisme domestique dans les années 90 et qui a une grande expérience, plus le Nigeria, dont tout le nord est sahélien, avec le problème Boko Haram, plus le Cameroun qui est une puissance régionale. Ces 5+5 auraient simplement financé le G5 du Sahel sans qu'on ait besoin d'aller demander un peu partout. L'Afrique gère des conflits tout à fait extraordinaires et nous avons besoin de solutions innovantes. Il faut trouver des solutions innovantes. L'Érythrée est un problème. On se pose mille et une questions sur ce qui se passe en Érythrée. La Somalie est un problème. La RDC, depuis 1960, n'a pas eu de répit. Le Burundi aujourd'hui, la RCA aujourd'hui. Vous prenez tous ces pays, vous vous rendez compte que l'Afrique doit relever les défis sécuritaires qui se donnent sous forme de terrorisme, économie criminelle, trafic humain, trafic de drogue, qui se donnent aussi sous la forme de la migration qui est la plus grande tragédie vécue par les Africains. Quand on parle de migration, on pense à l'Europe. La plus grande tragédie vécue par les Africains, c'est aujourd'hui d'avoir cette hémorragie massive de notre jeunesse, qui était notre atout principal et qu'on va perdre dans les mers et dans les déserts. Ils vont se noyer, ils vont mourir dans le désert. Et ça, c'était l'atout principal de l'Afrique. Donc les Africains et leurs amis, il est temps de changer le paradigme et de réfléchir à nouveau sur comment sauver ce continent. Merci. Vraiment, et merci beaucoup. This is the advantage of combining passion with experience in the context of addressing challenges. Our third speaker, and one of our most distinguished, is of course the former Prime Minister of Senegal, who also had a distinguished career at the United Nations before assuming that particular role, and she too is going to speak about changing paradigms and changing narratives. As you will. Thank you very much. I am going to have a different tone from my very good friend, Minister Gadio. I'm an Afro-optimist.
So I'm starting by saying that many good news come from the continent. According to the IMF, Sub-Saharan Africa is now the second fastest growing region in the world, trailing only Asia. As per Emerging Market Private Equity Association latest survey of institutional investors, Sub-Saharan Africa is poised to see the greatest increase in new private equity commitment across the emerging market over the years, the coming years, edging out Brazil, China, India, as the most attractive destination for deals. Third good news, according to the Africa Development Bank, one third of the continent is considered middle class, spending between $4 and $20 a day. By 2060, more than a billion Africans are expected to join them. The African middle class is mostly urban. Africa urbanization rate is already 37% compared to China and larger than India. Africa will be the fastest urbanized region from 2020 to 2050. Stability, my good friend talked about the issue we are having, we are acknowledging it, but stability made significant progress since end of the Cold War. Since then, the number of armed conflicts has fallen from more than 30 to about a dozen, the one you cited, even though violence is still a reality, as you said, in South Sudan, some part of the Democratic Republic of the Congo, or Somalia. Yet, democratic elections are now becoming the norm, with still some challenges. I was observing the election in Kenya, but good news are also coming out from Senegal, our great country, Ghana, Cabo Verde, Mali, Guinea, and even the Gambia. So I think also democracy is making much progress. We do believe that we have to make African resources work for the African people. Africa is estimated to contain 80% of the entire world supplies of platinum and cobalt, half of the world gold supplies, two-thirds of the world manganese, 35% of the world uranium, 75% of cobalt, important mineral for electronic device. Africa has, it was said by the Minister of Morocco, around 600 million hectares of uncultivated arable land. So the future of mankind nutrition might be in our hands. Post-independent born African leaders want to do business differently with the rest of the world. And the BRICS are good news for us. As monopoly, as you know, is not good for business, and it has not been necessarily good for us. Other good news, and who doesn't want to hear that? We are young. Africa has the fastest growing and most youthful population in the world. Over 40% are under the age of 15 to 20. And we do have 200 million youth in Africa. Of course, it comes with challenges, and I think the minister talked about some of them. But we also have to know that a larger population means a larger working population, means more disposable income, as more people are able to work per family, and leads to improvement of living standard. And a large workforce now and in the future also means more taxpayers, so more money and more funding for government. Yet we agree, and I'll talk about it very quickly, this requires very specific investment from African government. We need to tackle our challenges with our historical resiliences. And we know that. I don't think that never on earth any people have been going through hardship as Africa. Yet we are here and resilient. Economic growth has been not inclusive enough. We agree. And despite a growing middle class, one-third of African, way too many Africans still live in absolute poverty. What we need to do in urgent is to develop a continent-wide social safety net program to ensure universal access to health, to education, water, electricity, and decent housing for the African people.
including those living in rural areas and who are often left out. What I'm talking about is a social African compact, so to speak. The growth has been associated with increased exploitation of non-renewable natural resources, with heavy impact on the soil, water, and forest. We then need to learn from ongoing greening industrialization experience over the world. The African economy are still largely based on raw material extraction, with little to no value in terms of employment creation. So this is also something we really need to look at. But yet, Africa is seeing its diaspora coming back, mostly highly educated young African movers and shakers, venturing in technology, supply chain, energy, especially in the solar and the bioenergy. Africa leads the world in mobile adoption, I think it was said yesterday, and we do see opportunities, cross-sectoral businesses opportunities, like mobile banking, virtual education system, etc. Africa services, the services sectors, hold tremendous economic promises. In fact, growth in services has been twice than the average rate for the world during the period 2009 to 2012. We do have also to improve, it was said, good governance and to be further accountable to the African people. This entails actively fighting corruption with legal framework and effective institutional anti-corruption bodies. And I have to say, for that also, we need to cooperate with the West, with Europe, with Africa, with Americas, because usually when the money leaves our national budget, they find their way very much into the Western bank. We also need to further fight impunity and human rights violation. We need to strengthen the rule of law, and we need to improve, and it's very important to insist on that, the participation of youth, because we have a huge bulk of youth, the youth population, the women. I talked about it yesterday. And let me tell you that they produce 70% of the food in the continent. So there's no way you want to make headways and progress in the agricultural sector if you don't take into consideration their needs and rights. And we also have to address minorities, as it was said. We have to deal with diversity. What we would like to see from the rest of the world as African, and I'm saying it very nicely, we need a better understanding of the rapidly changing reality in Africa. Africa is moving day by day. With less cliche, with no patronizing, because we also know that some of the attitudes that are just attitudinal are inherited from the colonial past. So that we have to be conscious of that and fight it, because Africa is changing, as I said. There are new and younger African leaders who are very grounded in their own culture, but yet fully conversant with international standards and the international cultures, and a new generation of very educated young African who looked at the world through different lens than their parents. That is maybe what China understands better than many of its competitors in the continent, because they've been colonized, they've been oppressed, so they have more empathy, and they understand maybe more quickly how we may feel. So that is something also our good friend from the Western world need to understand. We also need different business patterns. That's what we expect from our foreign partners with the slogan, fair must be fair. And we do know that in all the deals that we tried to make happen, we were paying much higher. Because of insecurity, it is said, even though a country like Senegal is a very peaceful one and very having gone through different processes peacefully, it happened that you know our loans come most of the time more expensive than any other country, because Africa has, I believe, the worst public relationship strategy. When we talk about Africa, you move from HIV/AIDS and then lately from Ebola
But in between, there are so many grateful things that happen in this continent. If you have seen yesterday, for those who were at the reception, this young lady from Mali, that energy that you saw, that is also what we are feeling and seeing every day in the continent. We also need to build solidarity to tackle challenges, as it was said, such as corruption, as terrorism, as my good friend said, illegal migration that also hurts us in some point, climate change impact, and solidarity in sharing progress. Thank you. Well, we saved the two prime ministers for the back end of the program precisely in order to be able to, one, shift the narrative, and two, provide the solutions. So I'm going to turn to our good friend Lionel Zou to wrap it up. Where you go, Lionel. Thank you very much, Sean, and good morning all. Good morning, my dear friends. I have discovered that Senegal was an English-speaking country now, so I decided that as a Benin citizen, I will speak French. Raymond. Merci beaucoup. Notre sœur Aminata me dispense de faire la première partie afro-optimiste, puisqu'elle nous a donné les raisons statistiques immédiates et futures de considérer qu'au moins il n'y a pas de suspense sur le fait que le potentiel du continent est en train de s'exprimer. Et donc je l'en remercie et je suis absolument sur la même ligne. Et je remercie également Monsieur le Président du Conseil économique et social, que je remercie d'ailleurs au nom de tous les participants pour l'accueil exceptionnel du Maroc pour la troisième fois de cette conférence à Marrakech. Je suis très frappé, vous avez parlé de dividendes de l'intégration à venir. Je crois que c'est en effet un des moteurs très très importants. Vous l'avez présenté d'une façon un petit peu dramatique en disant nous ne faisons que 12% de nos échanges entre nous. Et alors ça dépend un peu des parties de l'Afrique. L'Afrique de l'Est va très vite, elle est un peu au-dessus de 20%. L'Afrique de l'Ouest de l'UEMOA progresse aussi assez vite, elle est un peu au-dessus de 15%. Et il faut avoir en tête que l'ensemble du continent représente 3% de l'ensemble des flux d'importation et d'exportation du monde. Donc quand on fait 20% entre nous, pour un continent qui fait 3% du commerce mondial, on est déjà en surpondération par rapport à ce qu'on représente. Mais une chose qui m'a frappé dans nos trois discours de nos collègues, c'est tout de même les effets de volume extraordinaires sur l'Afrique qu'il faut avoir en tête. Vous y avez insisté, 1,2 milliard d'habitants qui vont devenir 2 milliards, c'est-à-dire ce que l'Europe a fait en un siècle, le 18e siècle, de doubler, on va le faire en une génération, personne ne l'a jamais fait, la Chine ne l'a jamais fait, donc il y a des effets de volume qui sont extraordinaires. Nous ajoutons un pays par an. Nous sommes à 55, mais nous font chaque année, nous nous ajoutons 25 millions de nos enfants et nous nous ajoutons, au fond, quand même, un Sénégal plus une Mauritanie plus une Gambie chaque année. Là où l'Europe se réduit de 2-3 Slovénies par an. Donc, vous voyez, notre géographie, elle est dynamique, mais les volumes sont tout à fait étonnants. Les 2500 milliards que vous avez commentés, chère Tidiane, en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat, il faut les multiplier par un facteur 3. Nous sommes devant quelque chose qui est en effet une dynamique, et donc je salue le président, le directeur général de l'AFD qui a développé ce thème. Nous sommes quand même devant une dynamique qui est exprimée en parité de pouvoir d'achat et pas simplement en taux de change courant. Est quand même une réalité volumétrique très, très, très importante. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ce développement africain est beaucoup plus endogène que ce qu'on croit d'habitude. Par exemple, les flux directs d'investissement sont fondamentaux, qualitativement, et même quantitativement. Mais
l'un dans l'autre, ils représentent 5% du PIB du continent par an. Le continent est, après l'Asie, et loin devant l'Europe, et évidemment le Japon, et encore plus évidemment les États-Unis, un continent de forte épargne et de fort investissement. On investit en épargne en Afrique plus que dans tous les autres continents, sauf l'Asie. Et la moyenne du taux d'investissement ménage et entreprise et investissement public en Afrique, c'est 25% du PIB. Donc il faut rapporter ces 5% de flux annuel d'investissement direct étranger au total de l'investissement, qui est 25% du PIB. L'épargne en Afrique, elle est endogène. L'investissement, il est endogène. La croissance, elle est tirée à 75%, comme dans toutes les économies d'ailleurs, par de la consommation interne des ménages, des entreprises et des administrations, mais massivement des ménages. Et donc, nous sommes devant une croissance très largement endogène. Et on a vu, après la crise de 2008-2009, quand l'Europe retombait au deuxième semestre 2011 jusqu'à la fin du premier semestre 2013, en récession, l'Afrique qui a progressé, ayant été la moins touchée des continents par la crise 2008-2009, elle a progressé en niveau de valeur ajoutée, de PIB, régulièrement en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à la crise pétrolière. Donc je voudrais quand même insister sur le fait que cet endogène est très largement découplé, y compris de la conjoncture de l'Europe, qui est évidemment un partenaire important puisque c'est le premier acheteur, le premier fournisseur, le premier investisseur, le premier bailleur d'aide et le premier siège de nos migrants qui sont une force très importante d'importation d'épargne. Point qui est à ne pas oublier. Oui, l'Afrique a besoin de l'épargne de l'extérieur quand bien même les trois quarts de l'épargne qu'elle mobilise sont d'abord de l'épargne afro-africaine. Elle a besoin de l'épargne de l'extérieur. Cette épargne de l'extérieur, elle vient en partie, à hauteur presque des mêmes flux que l'aide publique au développement, de ces migrants. C'est très important comme contribution. Les remittances, aujourd'hui, c'est très, très important. Je parle dans un pays, le Maroc, où c'est une quote-part du PIB particulièrement importante. Et c'est à ne pas oublier, dans l'épargne de l'extérieur, il y a l'épargne de nos migrants et le rôle fondamental de nos diasporas, qui n'est pas si différent de ce qu'on a observé en Europe de l'Est, de ce qu'on a observé en Chine, et qui est un rôle extrêmement actif et très important. Il y a cette épargne qui est à la fois domestique et de l'extérieur, et qui est très, très importante pour nous. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est d'abord un phénomène endogène. Et c'est important de le garder à l'esprit. Mais comme nous avons tous été des responsables de l'exécutif, même pour moi de façon très éphémère, nous avons en commun un certain nombre de problèmes. Nous avons un problème de marché du travail, car les 25 millions d'enfants qui nous naissent, nous ne savons pas les faire rentrer 20 ans après sur le marché du travail. Et nous ne savons pas. Alors, au Sénégal, on dit que c'est de la faute d'Aminata. Au Bénin, on dit que c'est de la faute de Lionel Zinsou, de Thomas Yayi Boni. Je ne sais pas ce qu'on dit au Maroc. En vérité, ce sont tous les gouvernements. Car nous avons une croissance qui est extrêmement intensive en capital et très peu intensive en travail. Les secteurs, et c'est pour ça qu'on a besoin, monsieur le directeur général de l'AFD, on a besoin que le système d'aide publique, et notamment le système multilatéral qui est menacé par l'abstention américaine. Ça, c'est pour nous un problème très sérieux qu'on va ressentir à la Banque mondiale, à la BAD, le fait que les États-Unis croient moins au multilatéralisme. Ça va être C'est vraiment très important, et c'est aussi une chance probablement pour les Européens. Mais si vous voulez, une chose qui est quand même vraiment très très importante, c'est que nous avons des besoins plus intensifs en capital que n'importe quel continent au monde. Parce que l'agriculture, c'est ce qui consomme le plus de capital en termes de coefficient par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Suivi par l'énergie, suivi par l'eau, suivi par l'ensemble des infrastructures. Donc, par définition, tout dollar que nous investissons en Afrique crée moins d'emplois que si on investissait en Europe. Et c'est comme ça que le Sénégal a 7% de croissance, le Bénin a 5% de croissance, tous les ans, depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, et que nous ne créons pas des emplois nets pour nos jeunes à 7% de croissance, alors qu'un pays comme la France les crée à 1,5% de croissance. Pourquoi ? Parce que la France a un modèle qui est
riche en emploi, et nous avons un modèle qui est de capital et très pauvre en emploi, et qui va le rester tant qu'on crée toutes nos infrastructures. Je termine là, Monsieur le Président, pour vous dire, nous avons donc un modèle qui est unique, où la croissance ne résout pas nos problèmes d'emploi. Vous imaginez ce que serait une Europe en surchauffe absolue qui ferait les 7% de croissance du Sénégal. Vous imaginez même une Europe qui ferait les 5% de croissance du Bénin. Et je ne parle pas des 8,5% du Ghana et de la Côte d'Ivoire et de l'Éthiopie. Mais nous avons une croissance sans emploi qui va demander une politique extrêmement ciblée sur l'entrepreneuriat, sur la transformation de l'informel en quelque chose de plus productif, un modèle à inventer, parce que la croissance sans emploi, c'est notre lot commun. Nous avons également un problème d'urbanisation tout à fait extraordinaire, parce que quand les Européens, et même la Chine, développent leur urbanisation, qui est un grand facteur de croissance, au fond, ils vident leur campagne et ils remplissent leurs villes. Nous allons créer une Europe à l'intérieur de l'Afrique en une génération, c'est-à-dire nous allons nous ajouter 500 millions d'urbains. C'est juste comme si on devait prendre une Europe et puis l'installer comme des urbains. Et dans le même temps, nous allons, de Tambacounda à Parakou, nous allons avoir des campagnes de plus en plus peuplées, car à notre niveau de croissance démographique, nous avons à la fois une urbanisation très forte, un exode rural qui peut poser des problèmes politiques et sociaux de stabilité, et des campagnes qui se remplissent beaucoup plus que dans le passé. Elles ne se vident pas. Et donc nous avons à assurer une urbanisation maîtrisée et un équilibre ville-campagne dans lequel il faut bien que vous compreniez que la pression est de plus en plus forte dans ces secteurs où il n'y a pas d'électricité, pas l'accès à l'eau, comme le disait chère Tidiane, pas l'accès à certaines infrastructures sociales fondamentales. Et c'est pour ça, je pense que chère Tidiane est légèrement plus pessimiste qu'Aminata et moi, parce que lui s'occupe de paix et de sécurité. Et donc notre modèle de très forte croissance non inclusive, qui demande quand même maintenant beaucoup d'imagination pour arriver à résoudre ces problèmes d'anomie ville-campagne, d'anomie marché du travail, d'anomie réduction de la pauvreté qui ne se fait pas, notre modèle est dangereux politiquement et socialement. Il n'est pas dangereux économiquement. Si vous voulez vous enrichir en dormant, placez en Afrique, dans le foncier, dans l'immobilier, dans énormément de secteurs, dans les biens de consommation, dans les matériaux de construction. Nous n'avons aucun suspense économique. Mais nous avons un suspense politique et social parce que notre modèle, spontanément, ne résout aucun de nos problèmes sociaux si on ne fait pas des politiques extrêmement adaptées à cette contrainte particulière. Right. I think the narrative has changed. I think that the panelists have succeeded in making clear that from the perspective of partnership, seen from Europe, seen from Asia, seen from the United States, there is far more opportunity than risk. Just one parenthetical observation before I open it up all to you. Think a little bit about how much value was destroyed in the global financial crisis between 2008 and 2011, and ask how much money has ever been lost in Africa under any conceivable circumstance. So our appreciation of risk in these frameworks is often badly skewed, as several of the panelists have already made clear. But let me open it up now, please. Usual rules, identify yourself, indicate if you wish to address a question to a particular panelist. Keep it short. We've got 12 minutes left. We need to get responses as well. I'm going to take the three I can see in front of me, notably because there are two women among them. Is the microphone on? It's on. Okay, now it's on. I'm Amanda Mate from South Africa. I'm here as a digital matriarch. I have a couple of questions. In terms of the political leadership of Africa that we're currently facing,
At what point do we begin to bridge the conversation of youth in the political space and political discussion and policy-making discussions? And this is across to all panelists. Then specifically, I wanted to look specifically, at how do public and private partnerships for Senegal and each of the countries represented work, and how have they benefited the mass populace? Super, just pass it on. I'm gonna take all three of them. Hello, thank you everyone. My name's Eniola Mafe from Nigeria. My question was around the development story that my generation will essentially inherit. So the jobless growth that that was mentioned, the issue of monocities for that many of the countries deal with in terms of mega cities, but how do we build out tertiary or secondary or tertiary cities? And what are those kind of strategies that our generation can engage with various other generations to try to answer some of those issues that we will be inheriting in the next 20, 50 years? And keep it going. I'm Meir Shitrit from Israel, and I have a question about the leadership in Africa. How come that so many leaders, which then final the term, they finish as a billionaires? It shows you that in Africa, a lot of things cannot be done without paying off. I have friends who work in Africa. Nobody of them can work without paying off to leaders, politicians, and others. Show me a good leader. We have a slogan which says that the fish stink from the head. All you need in Africa, in every country, is a good and honest leader. If we'll be one person over there, which will really use the possibility and the potential of Africa, Africa will change upside down. I don't believe that contribution from the world will save you. I believe that you should make it yourself. It's much more better to use the emotion and the possibility and the growth that you have in Africa in order to develop your countries, in order to make a progress compared to the rest of the world. Okay, man. Thank you. Have we got, I'm gonna take two over here in the front row. We're correcting the entire gender imbalance of the whole conference in one session. I'm very impressed. Merci, Monsieur le Président. Christine Dessouche, Paris 1 et Université du Bénin. Je remercie tous les panélistes. Si je retiens non pas une conclusion générale, mais deux des orateurs au moins, le Premier ministre Sinsou et le ministre Gadio, ont finalement avancé le fait qu'il fallait un changement de paradigme, en tout cas un changement de modèle, une invention de modèle pour les questions justement qui ont été évoquées, emploi et croissance, et également sur les questions plus politiques et de sécurité. Finalement, est-ce que vous avez l'opportunité, vous avez l'impression que les responsables politiques, aussi bien nationaux qu'au niveau de l'Union africaine, prennent en considération ces propositions? C'est la première des choses. Deuxièmement, on parlait des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Je crois que c'est en ce moment que se tient à Abidjan l'édition du partenariat stratégique Union européenne-Afrique. Bon, à la fin du mois de novembre. Donc finalement, ça fait 10 ans, plusieurs éditions. Au fond, l'Europe a déjà eu l'occasion d'entendre les responsables africains, j'allais dire, faire leur diagnostic et avec eux essayer de mettre en place une coopération. Est-ce qu'il y a là des améliorations à apporter dans ces mécanismes de dialogue pour une coopération, j'allais dire, rénovée? Merci. Merci beaucoup. Et à côté, Marie-Roger Biloa, Club Millennium. Merci déjà pour ce panel passionnant. La question que je veux poser a été un petit peu évoquée en filigrane. Lorsqu'on nous aligne les chiffres habituels sur le potentiel européen, de l'Afrique, etc., c'est toujours très impressionnant. Mais alors, vous parlez d'innovation, nouveau paradigme, comme dit Christine. Je me demande si il n'y a pas un chapitre particulier à ajouter sur les processus politiques. Je m'explique. À un moment donné, nous et notre journal, on a beaucoup critiqué la volonté extérieure d'imposer des systèmes politiques, d'imposer ce qu'on appelait la démocratie.
Maintenant, on a une phase où les Africains eux-mêmes la réclament encore plus qu'avant. Pas seulement qu'ils la réclament, mais ils se battent pour. Et je pense aux processus électoraux qui sont, comment dire, qui se terminent par la violence, qui sont truqués, où les gens, les citoyens ont montré eux-mêmes qui voulaient arriver à des alternances, à avoir leur mot à dire. Je pense par exemple au Gabon, où la classe politique a fait le nécessaire, s'est unie, a participé à un processus électoral. À la fin, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'on peut dire on veut changer, il faut que l'Afrique change, et qu'on dise, on ne parle que d'économie, de chiffres, mais qu'on ne parle pas assez de ce qui peut amener également le changement, c'est-à-dire le change, l'alternance, le renouvellement des élites, le renouvellement de la décision politique. Est-ce que ça, c'est toujours à côté, on n'en parle pas assez? Est-ce qu'on dit que c'est tabou, ça c'est de l'ingérence? Est-ce que dans les réflexions, il y a un accent à mettre là-dessus aussi, une espèce de task force à vérifier, à veiller à ce qu'il y ait ce changement voulu par les Africains eux-mêmes? Merci. Merci beaucoup. We have less than 6 minutes. We have 4 people. Pick a question, the one you feel most strongly about, and respond to that as briefly and as effectively as you can. Amanita. I have my mic. It does work. Well, I'm going to pick up the corruption piece. The gentleman, I don't know, I don't hear well where you're from. Israel. I think you had also some pretty serious cases there, right? So this is also what I'm talking about, changing the narrative. The Africans are corrupt. It doesn't work like that. I think human beings are corrupt if you don't put up a legal framework to fight corruption. The worst cases actually don't come out of Africa. The biggest corruption cases, I think it was in the US, in terms of volumes, etc. What we have to do, and I think I can cite Senegal, because I was Minister of Justice, is to set up legal framework to combat corruption. We have put the law that require every single leader to declare assets, when you're in and when you get out. We have voted a transparency code for public fundings, et cetera, et cetera. And that has to be implemented. So we are making progress. But the idea that corruption is, you know, born and survive in Africa is just a wrong one, and part of the narrative we need to change. And that's important to say that. Good. Thank you. Pass it to your right. And yours is connected. C'est bon. C'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Oui, oui, c'est ça. D'abord, moi, je veux me réconcilier avec ma sœur et mon frère pour qu'on s'entende clairement. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, pas eux, mais des amis qui raisonnent comme eux, je les traite d'afro-pessimistes. C'est intéressant. Eux, ils sont afro-optimistes selon eux. Pourquoi je traite ces amis d'afro-pessimistes? Pas eux, bien entendu, parce que je les connais. C'est que je pense qu'à la limite, c'est comme s'il y avait une fatalité pour que le rythme de développement du continent en soit là où nous sommes aujourd'hui. Et on voit peut-être là où il y a la lumière, là où ça marche, etc., on met le doigt là-dessus. Il me semble que l'Afrique devrait être beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la raison principale, c'est ça mon point de vue. Mon frère, le premier ministre Zinsou, dit que je m'occupe de paix et de sécurité, mais je m'occupe de développement et je m'occupe de panafricanisme et d'intégration africaine. Et je ne suis pas convaincu que nos chefs d'État croient en l'intégration africaine. J'ai donné beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps de développer. Moi, je me définis, curieusement, comme quelqu'un qui renvoie dos à dos les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Je me définis comme un afro-inconditionnel. Afro-inconditionnel, c'est-à-dire un amour inconditionnel pour l'Afrique et une sorte de révolte permanente contre l'injustice faite à ce continent, à son immense potentiel et à ses ressources qui continuent de quitter l'Afrique pour aller enrichir d'autres sièges, d'autres espaces. Quand nous avons abandonné le marxisme, entre guillemets, avec certains amis, on a fait une réunion et on avait décidé que maintenant, on allait être des réalistes critiques. On allait abandonner le matérialisme historique au profit du réalisme critique. Réalisme critique, c'est de voir ce qui se passe, mettre le doigt sur ce qui est bien, pourquoi pas, mais insister surtout sur ce qui ne va pas.
l'Afrique ne mérite pas son sort actuel. Si on faisait tout un débat sur la RDC, est-ce que la RDC doit être au niveau où elle est aujourd'hui? C'est un peu ça mon débat. Je dis que l'intégration africaine qu'on nous a proposée n'a pas marché parce que, comme disait Charente Diop, un grand savant africain, l'Afrique, l'intégration est avant tout politique. Et nos dirigeants ne veulent pas de l'unité politique, donc ils nous parlent d'intégration africaine. Ils accélèrent un coup, ils freinent un autre coup. Ils font tout relativement pour que les choses soient presque en l'état. Regardez la libre circulation des biens et des personnes. Énormément de problèmes pour nos agriculteurs, nos fermiers, pour traverser des frontières. Donc, au total, pour ne pas être trop long, je pense qu'il nous faut revisiter le paradigme du développement de l'Afrique. Okay. L'Afrique devait être au même niveau que l'Inde ou la Chine aujourd'hui si on avait des dirigeants visionnaires, des leaders qui croient en l'Afrique, qui croient aux peuples africains, pas des leaders qui passent leur temps à s'occuper de la bataille de pouvoir, à changer des constitutions, à se battre pour rester au pouvoir. C'est ça, peut-être, aussi un des enjeux qu'on devrait mentionner. Dernier point. Nous n'avons pas. 2063. Pourquoi je pense que certains dirigeants africains sont pessimistes? C'est quand ils pensent qu'ils proposent l'agenda 2063. Et un grand économiste de la Commission économique pour l'Afrique disait, voilà qu'on nous promet 50 ans encore pour régler les problèmes de l'Afrique, alors que l'Afrique est sous le coup de l'urgence. Et il ajoute, on nous promet un paradis à la place d'un développement réaliste. Parce qu'on nous dit qu'en 2063, aucun Africain ne sera left out. Tous les Africains auront électricité, eau, auront voiture, auront bonheur, etc., etc. Qu'on arrête de tromper les peuples africains. Merci. Merci beaucoup. Nizar, mais vous ne pouvez compter. Merci, Nizar. Ce que je voudrais dire par rapport aux questions qui ont été soulevées, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues ici, il y a deux points sur lesquels il faut mettre l'accent et je vais être très rapide. Le premier, on ne peut concevoir en fait cette Afrique qui prend véritablement son envol si on n'investit pas dans le capital humain. Le capital humain, pour moi, c'est la base de tout. Et on l'a vu, je donnerai l'exemple de l'aéronautique. L'aéronautique au Maroc a vu le jour parce qu'on avait un potentiel et on avait véritablement des gens qui étaient formés et les investissements sont venus et on a pu créer en fait l'environnement qui a permis ce décollage. Et aujourd'hui, le Maroc est un des principaux acteurs en la matière. Donc à partir du moment où on a une main-d'œuvre bien formée, on a toutes les possibilités, toutes les potentialités pour aller de l'avant. Le deuxième aspect, très rapidement, c'est qu'il faut qu'on passe de la logique du saupoudrage à la logique du focus. Et aujourd'hui, en fait, on le voit, on veut tout faire en même temps. Si véritablement on décide et on priorise et on met l'accent sur deux ou trois grands aspects principaux, on peut véritablement connaître le développement qu'il faut. On prend le cas de la capsule de café. Combien revient à l'Afrique? 5% uniquement dans la capsule de café. Il faut qu'on investisse sur les 95% restants, le capital immatériel, et on a toute la latitude pour le faire. Et merci. Merci beaucoup, Nizar. Et Lionel. Sur la colère de Chertidiane, il faut faire la part de l'histoire. Nous ne sommes pas comptables, en 2017, de tout ce qui nous arrive. Quand on a construit une économie sénégalaise spécialisée dans l'arachide, qu'est-ce que vous voulez échanger avec une économie dahoméenne spécialisée dans l'huile de palme et dans le coton? Il y a une limite physique dans nos spécialisations. Il y a une limite physique dans nos infrastructures. Nous sommes dans une histoire et nous sommes en train de construire, de réformer des États qui nous ont été livrés dans un État spécialisé et rudimentaire. Il faut faire la part de cette dynamique, si vous voulez. Donc on peut se scandaliser, se mettre en colère. Ce n'est pas que nos dirigeants ne veulent pas faire d'intégration. On va plutôt plus vite que le Mercosur, au moins aussi vite que l'Union européenne, en termes d'efforts institutionnels d'intégration. Et vous voyez des entreprises, c'était évoqué pour le Maroc, premier ou deuxième avec l'Afrique du Sud, aussi le Nigeria, etc., à être investisseurs en Afrique. Regardez au niveau des services, ça va encore plus vite qu'au niveau des échanges qui sont des échanges de marchandises. Je voudrais répondre aussi à la question sur notre génération, nos sœurs nigérianes, et le changement de modèle. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que c'est relativement clair.
Oui, il faut s'intéresser aux villes secondaires et tertiaires, parce qu'il faut sortir de la valeur ajoutée 75% à Cotonou, Abidjan ou Lagos, et trouver des équilibres territoriaux. Oui, il faut s'intéresser aux activités rurales, qui ne sont pas qu'agricoles. Oui, il faut s'intéresser au secteur informel. En dehors du Rwanda, le Maroc est un des rares gouvernements qui a un responsable de l'inclusion, de l'entrée du secteur informel dans la modernité, qui ne veut pas forcément dire dans l'impôt, mais dans la modernité, qui ne veut pas forcément dire dans le harcèlement fiscal, mais qui veut dire dans la modernité. Et votre génération a des chances étonnantes, notamment, il y a des technologies à coût marginal faible, très adaptées à nos problèmes de masse, et notamment la numérisation. Et il y a heureusement une vitalité forte dans le domaine de l'économie numérique. Le domaine de l'économie numérique, quand on l'observe au Maroc, quand on l'observe dans votre pays, au Nigeria, qu'il s'agisse d'e-commerce, qu'il s'agisse de stockage pour les petites marchandes de marché sur le cloud, de tous leurs éléments de comptabilité, de supply chain, etc., nous avons des technologies, et c'est vrai aussi dans le domaine agricole, qui sont enfin adaptées à nos problèmes et qui vont changer également dans le domaine social, également dans le coût pour, nous, pour éduquer capital humain, c'est 25 millions d'une génération chaque année. Nous avons des réponses techniques sur lesquelles on va très très vite. Regardez le mobile payment, regardez la façon dont en matière financière, une inclusion financière est en train de s'accélérer, qui a une vitesse spectaculaire observée nulle part. Donc le modèle de votre génération, il commence à émerger, il est très différent de nos technologies. Vous avez fait déjà le saut technologique qui fait que l'Afrique est maintenant première dans toute une série d'usages sociaux des technologies nouvelles. Et ça, c'est une évolution de modèle qui est très forte, sur laquelle l'Europe peut nous aider à accélérer dans l'implémentation de ce modèle. Parce que ce qu'on demande à l'Europe, ce n'est pas de nous assister, mais c'est de nous aider à aller plus vite, ce qui est tout à fait différent. Et de reconnaître que dans un certain nombre de domaines, j'ai pris l'exemple des paiements, mais il y a des domaines de santé publique, et il y a des domaines agricoles, et des domaines d'énergie renouvelable, de mini-réseaux locaux, les expériences constituent maintenant un nouveau modèle. Et je voudrais juste terminer un mot sur la politique. Là encore, faites, s'il vous plaît, la part de l'histoire. Comme l'a dit notre sœur, la Gambie, le Sénégal, le Ghana, elle a oublié le Bénin, je ne sais pas pourquoi, le Bénin, le Mali, le Kenya. Regardez l'ampleur des transformations. Regardez ces opinions publiques qui ont émergé. Regardez depuis les révolutions arabes tunisiennes jusqu'au mouvement de dégagisme ici et là. Regardez ce qui s'est passé à Ouagadougou. Regardez ce qui se passe dans les rues à Kinshasa. Il y a une opinion publique. Il y a des réseaux sociaux. Même quand les résultats sont truqués, vous savez, il y a beaucoup de pays où les résultats d'élections sont truqués, même de très honorables démocraties qui ont 500 ans d'avance en démocratie. Hein. Moi, quand mes amis français disent « c'est quand même dommage qu'on ait truqué le résultat des élections du Bénin », oui, moi d'ailleurs, je le ressens comme un peu préjudiciable, si vous voulez qu'on truque le résultat des élections du Bénin. Mais c'est même arrivé en France, je ne sais pas, au hasard, disons, à l'intérieur de deux grands partis quand ils faisaient leurs élections internes, il n'y a pas si longtemps que ça, avant les primaires, non. Le fait qu'on truque encore certains résultats, c'est très secondaire. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une démocratie, et notamment locale. Parce que plus vous êtes près de l'électeur, plus le contrôle tribunicien est fort. Et donc, il y a encore plus de démocratie dans la commune ou dans la collectivité locale intermédiaire, si vous voulez, qu'au niveau national. Mais ce qui est frappant, c'est la rapidité de ce contrôle des populations sur leur politique. Je ne vous dis pas que ça concerne 55 pays, mais, si vous voulez, nous, je ne suis pas le partisan le plus fort de l'actuel régime du Bénin, par exemple, au sens où j'aurais préféré m'en occuper moi-même, si vous voulez. Bon.
Mais je suis obligé de vous dire que nous avons la liberté de la presse. Lionel, je m'excuse. Et que nous n'avons plus. Je m'excuse. Aucun prisonnier politique. Vous pouvez. Très important déjà. Je termine. Vous pouvez ajouter dans le. I think you've had a remarkable opportunity to get an understanding of what is changing in Africa. You can look back and you can express concern about everything that has characterized the past. You could look back on the period since 2000 and look at the remarkable wave of transformation that has occurred across the continent, the rise of democratization, the increase in economic activity, the beginnings of the return of the diaspora, and the enormous wealth creation that has taken place in respect of returns on foreign direct investment. Lionel's concluding remarks, however, go to the center of this particular issue. A new generation is rising. You heard some of them speak a few minutes ago. That generation is not going to tolerate corruption. That generation is not going to tolerate autocratic rule. That generation is better educated, more sophisticated, and much more engaged with global standards. Africa is rising for two very fundamental reasons. The population is growing and is young. Urbanization is occurring at an extraordinary rate. And as many of our panelists have said today, an increasing amount of economic activity is actually endogenous. Returns on foreign direct investment in Africa for 30 years have been higher than any other market in the world. And Lionel again made the points highly effectively in the closing sessions. It's happening. The only question is whether one's going to participate or not. If one is going to, there are going to be extraordinary opportunities. If not, there are going to be enormous problems for Europe, because believe me, China and India increasingly are seizing these opportunities on the African continent on a significant scale. Thank you to all of the panelists. They did an extraordinary, sorry for having to be so disciplined in respect of it, but you can see the reason.